À Adzopé, la nouvelle année est marquée par la parade des danseurs du Fokwe ou Sambou. Ce dimanche 2 janvier, la génération Mbéché qui assure le pouvoir militaire du village a appelé ses membres au rassemblement. Les initiés se sont retrouvés tôt le matin autour de leurs différents chefs guerriers selon leur classe d'âge, Gewe, Boto, Toba, Asamba et Agri. Puis sur le grand rassemblement à la place publique autour du grand tambour le Minin, où des chants et des danses sont exécutés sous le regard de la chefferie et de la population venue assister à la parade des initiés. Ceux-ci sont soumis à une épreuve d'endurance qui ne prendra fin qu'au départ des chefs guerriers portés en triomphe. Monsieur Yapo Atsem-Michel, sous-chef de la génération Djoubin, donne ici l'importance de cette danse. C'est une institution martiale, c'est un rôle martial, aller à la guerre. Le deuxième rôle, c'est un rôle politique. C'est à partir de cette danse que vous avez la structuration du village, depuis le chef du village qu'on appelle Wobi, et ensuite viennent les notables et autres. Ça, c'est l'institution, ça, c'est le rôle politique. Maintenant, pour le rôle social, au niveau de la société, chaque individu qui est initié sait ce qu'il doit faire, sait ce qu'il ne doit pas faire. Lorsque nous prenons le cas des funérailles, c'est là qu'intervient le rôle vraiment purement social. Voyez-vous ? Et dans le cas des obsèques ou des réjouissances, la personne qui a été initiée à cette danse ou à cette armée, c'est ce qu'il doit faire, c'est ce qu'il ne doit pas faire. C'est où il doit s'asseoir, c'est où il ne doit pas s'asseoir. C'est comment saluer les autorités coutumières, ainsi de suite. Ça, c'est le rôle initiatique du Fokwe. Je ne sais pas si je me suis fait un peu bien comprendre. Voilà. Donc, ça joue trois. Pour la jeunesse, la danse Fokwe est un moyen de socialisation et permet d'affirmer son identité culturelle. C'est le socle, hein, c'est le socle. Toute famille, toute jeunesse, tout jeune doit se reconnaître dans ce qui se passe ici. Parce que c'est l'initiation, il faut être initié. Et quand tu dis que tu viens d'une famille, il faudrait qu'on te reconnaisse dans la danse là. Tout jeune, tous ceux qui sont passés par ici, nos actuelles autorités sont passés par là. Donc c'est pas nouveau. Tout jeune se reconnaît dans cette danse là. Donc, c'est le bien à base, c'est la base. C'est la base. Pour avoir. C'est une addiction, la tradition ne peut pas rejeter dans notre addiction. On est obligé de l'honorer. Pour les jeunes, surtout les jeunes. J'ai 5 ans, 8 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Tout le monde est convié. Quand ça arrive, tu ne peux pas t'échapper. Instrument de socialisation, la danse Fokwe revêt un caractère éducatif, culturel et sacré pour le peuple acquis d'Adzopé, qui veut la pérenniser dans un souci de promotion des valeurs propres aux acquis.